cadavre exquis, histoire de nous passer un peu notre ennui. Cadavre exquis, yes. Guile, c'est fort, Guile aussi. Il est bien ce perso. L'idée, c'est de ne pas perdre contre Honda. Ouais, mais hein, il suffit de pas faire d'erreur. Franchement, je vois pas de quoi vous vous plaignez. Il est très bien le perso. Il suffit de pas faire d'erreur et normalement, vous gagnez. Il y a une borne dorée. Ah ouais, allez-y, la borne dorée, c'est cool, ça fait des points en plus. Je rêve d'un Honda qui gagne l'Evo, mais il y a moyen, il y a complètement moyen. Ouf. Non, non, non. Oh, je le dis. Merde, ça marche pas hors du coin, ça. Je rêve d'une Chun qui gagne des mots. Ah bah non, bah attends. Salut, Ilien. Il était en juggle state là, le gars. Il faut que je trouve s'il n'y a pas des combos à faire après Bagro Point counter hit en entier. Peut-être plus facile à faire que HK aussi. Hein. Ah ouais, je suis sûr, il y a quelque chose qu'on peut faire. Ouais, trop loin ça. Oh, nice. Finir en burn-out. Finir en burn-out, cette histoire. Il y a des trucs à nerf sur Chun-Li. Franchement, je vois pas ce qu'il y a à nerf sur Chun. En fait, c'est un perso très complet qui peut faire absolument tout dans le jeu. Sauf que dans tous les compartiments de jeu, il y a au moins un perso qui fait ça mieux qu'elle. Donc non, elle est forte, mais elle est pas craquée. C'est pas vraiment un perso rushdown, c'est un perso de zoning, mais il y a des bien meilleurs persos de zoning. Elle a pas besoin de buff spécialement, mais je pense pas que la nerfée soit vraiment utile. Je disais ça de Chun-Li SF5 saison 1, et ils l'ont quand même nerfée tout en bas de la tier list. Hein, donc ça se trouve, elle va subir la même chose. Hein. Chun ne mérite que des up. Écoute, si tu me demandes mon avis, je te dirais ça aussi, mais. Turbo Broken, ça serait JP. Ouais, attends. JP, ouais. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des JP qui fassent bien chier à l'Evo. Là. Il y a l'Evo dans 2 ou 3 semaines. Ça va être le vrai test. Hein, parce que c'est 7000 personnes. 7000 personnes qui jouent là, à l'Evo. C'est là qu'on va voir les vrais persos craquer. Parce que 7000 joueurs, je peux vous dire que le tournoi, il va être long et le mental, il va prendre cher. Donc, c'est vraiment les match-up qui vont faire la différence.
peux pas quantifier un perso sur un si petit panel que les top 8 de tournoi. Certes, mais sur un top 8 d'un tournoi comme l'Evo, encore que ce sera un top 6 cette année à l'Evo. Parce qu'il faut mettre plus de pubs. Mais sur un tournoi comme l'Evo, si, quand même, le top 8, il te donne quand même pas mal d'infos. Le mec, il est passé devant 7000 joueurs avec son perso, ça te donne quand même une info sur la qualité de son perso, quoi. Sur la qualité du joueur, évidemment, mais le perso, il joue, hein. Tu fais pas top 8 à l'Evo avec un Zangief qui a aucune possibilité dans le jeu. Ça fait 3. Bien joué, Kadarexki. Khrouchtchev versus Kadarexki. C'est parti. Ben voilà, ça démarre fort du côté de Kadarexki qui trouve les premières ouvertures. Petite chope en punish counter. Marissa qui peut passer à travers les coups de son adversaire puisque la moitié de sa move list a des armors. Voilà, ce qui lui permet de faire ce genre de choses. Et de... Ex-Dragon qui a cassé le drive impact dans le coin, c'était très bien joué. Et une nouvelle fois, oh putain, on a failli avoir la même. Tu participeras au suivant, Hugu, t'inquiète. Ah là, c'est la faute au serveur, hein, moi je peux pas... Ouais, j'avoue, il aurait fallu pouvoir refaire l'or parce que c'est vrai que Khrouchtchev et Von dans la team de droite là dès le début, c'est. Et ça va le faire, je suis sûr que ça va le faire. Allez, Khrouchtchev qui prend le premier match. Alors, on a Blumstein contre Kadarexki. Kadarexki qui doit maintenant tenter. De rattraper le point de retard de son équipe. Il a la première touche. Il va falloir jouer agressif là, hein, je pense, pour Ryu. Je rappelle que Manon n'a pas de pif. Donc du coup, les pressings, c'est un problème pour elle. Hop, j'ai de l'eau. Voilà. Alors, du coup, j'ai pas tout suivi du round. Mais voilà, Kadarexki qui est en route vers l'égalisation. Très bien. Allez, petite balayette, petite chop spé derrière. Voilà, overhead. Ah ben voilà. Allez, petit dragon pour dire, tu arrêtes les conneries maintenant. Dragon dans la chop spé, c'est bien joué. Ok, on est en burn-out, mais elle est à une touche de mourir, attention. Ça, oui, ça se tentait, malheureusement, ça n'a pas marché. Du coup, un round partout. Allez. Est-ce que la team rouge va revenir à deux partout? Ou est-ce que la team bleue va s'envoler? medium kick. Mais tu vois, c'est difficile. Rien que ça, c'est difficile à gérer pour Manon. Allez, petite balayette. Dragon bloqué, il faut punir. Bien, puni à la chop spé. Regardez-moi ces dégâts. Ah oui, petit coup de danse. Ekstatsu qui touchera pas. Mais on revient. Chop, cette fois-ci, c'est déchopé. Attention, zéro de vital. Ah, dommage. Ça nous laisse check un peu. Ouais, bah, il faut. Carrément. Alors, ouh, Kadarexki qui a switché pour Guile. C'est un bon choix, je pense, contre Camille. C'est un bon choix contre Camille. Dans le doute, votez Honda. Les bleus sont au pis. C'est quoi la prédiction là actuelle? Il y a beaucoup de team bleu là. Il y a beaucoup de gens qui ont voté team bleu. Mais Yu, t'es team rouge et t'as voté team bleu, qu'est-ce que t'es en train de faire? Il y a des gens qui votent contre eux. Vous savez fixer les paris ou quoi? Yu, il est dans la team rouge et il a voté que la team bleue allait gagner. Moi, je serais team rouge, je le regarderais bizarrement, Yu, là, tout de suite. Il y a Honda.
je suis pas dupe. Moi, je serais dans la team rouge. Je jetterais des regards un peu bizarres à Ugu quand même, hein, à votre place. Hein. Mais. Aya et Toxa ont voté contre. Ben voilà, mais écoutez. Non, Toxa n'a pas voté. Ça, c'est le badge, d'abonné qu'il a, Toxa. Bon. Pendant ce temps, Kadarvexki fait le taf. Hein. Les Sonic marchent bien. La petite shop qui va remettre au centre de l'écran. Allez, Dragon piffé à la relevée une fois de temps en temps. Ça fait du bien. Sonic qui arrête complètement les tentatives d'embrouille de Kami. Ouh, balayette dans le vide, mais hé, il a un flash kick. Il a un flash kick. Attention, on le punit pas comme ça, Gaël. Allez, un partout, Kadarvexki. Qui s'offre une victoire et qui ramène son équipe à un partout. Allez, égalité entre la team rouge et la team bleue. Tu parles couramment, le Raptor. Ouh, petit dragon pour dire qu'est-ce que tu viens m'embrouiller là. Et un nouveau pour dire je t'ai dit de pas m'embrouiller, fous-moi la paix. Allez, jury, Kabuffy qui trouve une shop. Voilà, il faut réussir à tourner autour des Sonic Boom. Exactement comme ça. C'est bien joué. Nouveau ex-dragon. On ne paye pas les barres. Hein. Kabuffy ne paye pas les jauges de drive. Il faut le savoir. Il a pris un crédit 7LM. Et du coup, il a jauge de drive illimitée. Hein. Ça refile à chaque fois. Cela étant, je rigole, mais il s'est mis en burn-out tout seul, il a quand même pris le round comme ça, donc mine de rien, c'est une strat qui peut fonctionner, hein, de pas payer ses barres. Et voilà, mais il va y avoir ex-dragon à toutes les relevées. Hein. Kabuffy ne veut rien savoir. Et c'est ton stage, ouais, effectivement, on est à Paris. Allez, la shop qui est trouvée, on passe par-dessus le Sonic, c'est nickel. Balayette, bien joué. Et à nouveau. Dès qu'il est à moins de 50 cm, gars, il y bouffe un ex-dragon. Rien à faire. Et mine de rien, Kabuffy qui mène toujours, hein, avec son côté très dépensier. Ça marche, hein. Ça marche. Allez, la dive qui n'aura pas puni le Sonic. Mais gars, il est dans le coin. Il y a un truc à... Ouh, attention quand même, parce que... Les dragons, ça marche mieux quand l'adversaire est à côté. Ok, allez, il faut peut-être profiter du coin, il y a un truc à faire. Et ben voilà, light kick. Et c'est terminé. C'est ballot. Allez, Kadarvexki, Guile contre Alpiro, Kami. C'est parti. Moi, j'y crois au bleu aussi. Oh, j'y crois au bleu aussi. Enfin, franchement, ouais. Allez, regardez-moi ça. Les boules de feu, elle s'en fout, Kami. Elle passe complètement au travers. Et puis Drive Impact. Oh là là, Alpiro Ultra Instinct là. On a Alpiro Ultra Instinct qui vient de. Oh là là, qui vient de démembrer le Guile de Kadarvexki. Mais c'est faisable pour Guile. Mais par contre, la difficulté, ça va être de. Voilà, de pouvoir réussir à poser son plan de jeu, je pense, avec Guile. Guile, c'est un perso qui. Non, ok, il veut attaquer. Oula, par contre, ça. Il veut attaquer, je pense que ça peut le faire, mais alors, c'est une strat, hein, je pense. C'est une strat d'être le plus agressif possible contre Kami pour éviter que ce soit elle qui mène l'attaque, en fait. Hein. À mon avis, il y a quelque chose à en tirer. Hein. Allez, la punition était gentille sur cette balayette en bloc. Kadarvexki qui fait le choix de ne pas jouer le plan de jeu classique de Guile et de plutôt attaquer autant que possible. Et pour l'instant, ça marche. Hein. Pour l'instant, ça marche. Regardez-moi ça, ça marche. Je pense qu'il a trouvé... Une bonne solution, Kadarvexki, qui est de, le plan de jeu de Guile, qui est normalement de s'asseoir et d'attendre, on s'en fout. Ça marche pas sur Kami, il faut attaquer. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il a récupéré, il a pris le deuxième round. Tiflin, qui essaie d'influencer les compétiteurs. Allez, flash kick dans le saut, là, où tu vas comme ça. Alpiro qui est dans le coin, mais Kadarvexki qui n'en profite pas, donc il met une balayette, qui revient à un plan de jeu un peu plus classique de Guile, qui est de 11 zones, on attend l'erreur. Allez, cette fois-ci, on est passé en agression. La chope, le Sonic,
Jab, 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 jab pour dire tu m'approches pas, tu m'approches pas. Allez, jolie fuite. Attention quand même parce qu'il y a zéro de vital. Malheureusement, le flash kick qui est passé beaucoup trop loin. Bien joué, Alpiro qui prend le premier match pour l'équipe bleue. Marissa, c'est un truc de fou. Deux erreurs et c'est terminé. Hein. Ouais. Allez, Kadarvexki avec Ryu pour la team bleue. Il y a égalité actuellement entre les deux teams, un partout. Ah, c'était une bonne idée, hein, le Tatsu dès le départ. Malheureusement, ça n'a pas marché. Arrive un pack. Oh, ça va être une mise au point direct là. Oh my god. Et oui, le safe jump qui du coup va bloquer le dragon. Bien joué. Mais me dis pas qu'il est mort. Mais enfin. Mais alors. Allez, c'est bon. Tu peux le faire. Il a pris que deux combos là. Enfin. C'est terrible. Mais c'est terrible. Mais enfin. Et ce c'est que ce perso là. On n'est pas dans Guilty Gear, mais calmez-vous. Il pouvait level 1 sur le wall splat. Ouais, je pense qu'avec une level 1, il aurait pu tuer, effectivement. C'est un truc de fou, hein. Allez, bam, bam, la moitié de ta vie. Voilà, level 1, bim. Allez. Ok, ex-dragon, là, voilà, il faut la calmer, cette Marissa. Bien, la mise au coin, c'est parfait. Allez. Ah, dommage, dommage. Aïe, c'est que c'était dessous. Attention, sort du coin, reste pas là. Aïe, 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 aïe. Et voilà. La Shopspe, il a même pas besoin du Drive Impact. Ah là là, salut, Joke. Bienvenue à toi. Bon, bah voilà, bon, bah, 2-1 pour les rouges. Écoute, oui, voilà, 2-1 pour les rouges. Allez, voilà. Et oui, c'est ça le jeu du cadavre exquis. Nous allons y jouer toute la nuit.